Eh bien salut à tous et bienvenue, je suis LinkLeGeese pour vous servir et on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode du mode rêve de One Piece Pirate Warriors 3. Et j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que vous passez une bonne semaine. On va continuer notre aventure et cette fois-ci on va commencer directement par un perso qui a été proposé par Alex Gamer et il voulait qu'on joue avec Hancock. Alors changer de costume. Non. Ouais, le costume classique. Allons-y. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait le même costume tout déchiré en mettant three days, two years. Bref. À part faire plaisir au dalleux en recherche de vêtements déchirés sur une femme... bref, passons. Du coup, on va continuer par là, on va essayer de rattraper soit Wapol, soit le lapin. Sachant que Wapol, je crois, ça fait déjà 2 ou 3 tours qu'il est déjà là, donc il va pas tarder à partir à mon avis. Enfin bref, du coup, épéiste idiot contre cuisinier pourri, hein. Une confrontation tout azimut entre ces deux-là, enfin, rejoint une bataille qui va faire trembler le monde. J'imagine c'est Sanji et Zoro. Ah bah voilà. Armée de Zoro, armée de Sanji. Ah. Allez, je rejoins Zoro. T'avais dit de moi, question du jour. Ouais, j'avais encore jamais posé de questions sur les questions du jour sur One Piece. Mais vous, auriez-vous rejoint l'armée de Zoro ou l'armée de Sanji? Pourquoi il y a Burgess avec lui? préparation de la bataille, technique. Ah oui. Sagesse du capitaine. Charisme du champ de bataille, perception de la forme véritable. Les dégâts, non. Je me souviens jamais de ce que je mets. Je crois que c'est force brute. Ouais, allez, hein. On pourra les étourdir plus facilement. On va pas rester 2 heures ici. Du coup, let's go! Avec Hancock. Man, elle fait des gratouilles à son serpent. C'est trop mignon. Allez, go! Je vais aller voir Burgess du premier. Ouais, bah voilà. Objectif, bah Burgess. Ok, ça me va. Alors, on a qui? On a Zoro et Ivankov. Ok. Trop bien, on a Ivankov. Youpi. Oh, il me saoule ce perso dans ce jeu. Autant dans l'animé, bon, ça va. Il est utile. Autant dans le jeu, je me pose des questions. Hop là. Oh, comment je t'écrase? Attendez là, faut que je le teste sur lui. Oula. Je veux écraser Burgess. Bon d'accord, j'y arriverai pas. Ah oui, je t'écrase. Et en plus tu aimes ça. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le jeu, hein, parce que le mec, quand on l'écrase, il a des petits cœurs. Hein. Ah, peut-être que là, je vais peut-être pouvoir. Mange, Ulié. Aïe. Hancock, il y a un personnage que j'apprécie pas tant que ça dans l'animé, c'est pas un de mes persos préférés, j'avoue. Je le trouve juste banal, en fait. Que je sais qu'il y a plein de... Principalement des mecs qui font « Ah, on coque trop bien et tout !» Bah pour le coup, moi je suis pas vraiment fan. Allez, yop là, on fait du kill. Oulia. Ok, donc on fait le Kizuna avec le serpent. Why not? Oh, Kuro.
Bah ça change des dégâts qu'on faisait dans les épisodes précédents. Hein. Allez, ça c'est à nous. Allez, du coup, où est-ce qu'on va? Bon, on va descendre. Le CP9. Ouais, ah, j'aurais pas dû passer de ce côté. Aide Kuro et combat Jabura. Ok, ok. Bon, on va capturer la zone rapidement et puis... Et puis on va aller voir ça. Ah, ça c'était l'attaque qu'ils ont utilisée pour faire l'ulti dans... dans G-Star Victory. Allez. Quoique, en jouant avec Hancock, j'aurais pu prendre... J'aurais pu prendre l'armée de Sanji pour être à corps en fait. Ah, j'y ai pas pensé. Allez, mange. Oh, on l'a défoncé. On l'a tellement éclaté. Allez. 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 Mourez tous. Non, là, tu tapes dans le vent là. Bon bah go. On va claquer ça. Allez, ça, c'est chez nous. Avec Zoro qui est déjà repassé niveau 2. Oh, Kuro a quitté le groupe. Ah ouais. Ah ouais, tu veux nous trahir, Kuro? Tu veux nous trahir, c'est bien ça? Viens ici! Bah t'es où? Ah t'es là. Aïe! Belle fume fameuse! Ça t'apprendra à vouloir nous trahir, sale traître! Non mais... Donc... C'est bon, t'es calmé Kuro là? Ouais? Non, c'est bon, il est calmé. Allez, on va faire un petit Kizuna pour avancer dans le tas. Oui, choper cette zone. On va dire... Oui, avec des larmes. Audi et Mr. One. Ok. Bah, Audi et compagnie. Ok. Allez, le serpent, unier. La slave arrow. Itoryu. Allez, ah bah, il y avait un chef. Ça, c'est dommage. Je pensais qu'on aurait chopé la zone rapidement. Mais le jeu ne veut pas qu'on la chope rapidement. Voilà. Ça, c'est fait. Donc... Bon bah on a toujours avec eux là. On est toujours avec eux deux en allié. Ouais alors. Salut le poisson géant. Unier. Voilà. Ça c'est fait. Hop, en plus je régène moi. Hop là, on est en train de les enchaîner. Un truc de dingue. Ulier. Salut Mr. One. Est-ce que tu veux que je te marche dessus? Ah oui tu veux. Ah et en plus t'aimes ça. Allez mange. Ah il y avait Mr. One dans le tas, je l'avais pas vu, je croyais qu'il était toujours derrière. Ah je vais t'écraser jusqu'à ce que tu meurs. Et hop, on lâche ça dans le tas. Alors, est-ce qu'on a tué Audi? Non, on l'a pas tué. Allez, je te mange de chute aussi.
Oh, c'est tellement le bordel dans le coin, là, j'y vois que dalle. Allez. Je sais juste qu'on a réglé Audi. Titali talent. Et bouffe. Oh, je peux te marcher dessus à toi? Ah bah, on saura pas. Miyok vient d'arriver. Eh bon, on va aller voir. Salut Miyok. Comment ça va Miyok? Comment on a one shot Miyok? Ouais bon, on l'a déjà tué en fait les mecs. Bah Miyok. Ouais bah c'est fait ça en fait. Non non, il a pas avancé, je te jure. Aïe aïe aïe. J'aime quand le jeu met 2 heures à réagir. Allez, la flèche au milieu. Hop là. Ah ok, ils se sont retournés contre moi les deux. Les deux se sont retournés contre moi. Ok. Eh ben, si vous voulez vous amuser, venez. Vous êtes où? Vous êtes là. Ça tombe bien. J'ai mon Kizuna qui t'a calé se finir. Allez, bouffez ça. Est-ce que c'est le double one shot? C'est tout à fait le double one shot. Aïe aïe aïe. Allez vous là. Allez, mourez. Voilà. Bon. On a toujours pas de rang S par contre là. Non, c'est pas faux d'avoir enchaîné les Kizuna. Oh, esquive. D'accord. Oui, non, mais toi t'es déjà parti depuis longtemps, hein, donc. Ah, y'a Sanji qui vient d'arriver. Là, ça devient intéressant. Titali, on va capturer la zone rapidement. Oh, puis on est rang S. Ouais, on est rang S, allez, on va capturer vite fait, puis on va tracer vers Sanji. Allez. Oh, y'a un chef. Il est là-bas. Et meurt. Voilà, merci, au revoir, à la prochaine. Du coup, on va tracer. Ah mais t'inquiète hein, c'est la victoire est déjà... C'est même pas que la victoire est à portée, Yvan Cobb. C'est que là on a déjà gagné en fait. Allez. Ah, c'est la Frankie Family ça. Les ruines de la maison de Frankie, ouais c'est ça. Allez. Allez Sanji. Il est où? Ah, il est là. Allez, je vais te marcher dessus, j'allais dire Frankie, non Sanji. Il est où? Il est là. Ah, il a pas eu le temps de claquer sa deuxième barre de vie. Du coup, je l'ai lancé dans le vide. Ça, c'est très la tristesse. Ah, saleté. Pour la peine, je te marche dessus. Non, j'ai raté. Reviens, reviens. Reviens. Sans déconner, reviens. Ah ah, oui, je sais que t'aimes ça, Sanji. Ah mon dieu. Ok, la vitesse de remplissage de la barre. Ah, si j'arrive à le re-remplir un petit coup, ce serait bien.
Ou alors on s'en fout. Ouais, non, on s'en fout, allez. Allez, moi aussi, je sais tourner sur ma jambe, Sanji. Et boum! Voilà, comment on fait? Ça, c'est fait. En même pas 10 minutes. Bon bah du coup, Zoro est déjà à niveau max. Ne mets rien dans Hancock, hein. Vaincre Burgess 7 fois. D'accord. Pourquoi pas. Fais péter le pognon. Et ensuite, on va passer avec un autre personnage. On va voir où est-ce que partent le lapin et Wapol. Si Wapol bouge pas, ce serait bien en fait. Vas-y, bouge pas, bouge pas. Oh. Ah bon, par contre, le lapin est avancé. Bah du coup, bah, on change de perso et on va aller voir le lapin. Et nous y revoilà. Cette fois-ci, on est avec Lucci. Et on va rejoindre notre ami le lapin. Oh, ah ouais, niveau 45. Uh-huh. Bon, on est niveau 40, ça devrait passer, je pense. C'est ta chance de vaincre des personnages recherchés. Mets-leur la rouste de leur vie et gagne des prouesses. Ok. Bah c'est parti. Armée alliée. Bon bah. Ah. Viens là, mon petit lapin. Tu vas morfler. Alors, on est avec Arlong et Brook, et il y a Moria et Krieg. Ok. Préparation à la bataille, les techniques. Wouah! C'est déjà tout fait! Allez. Allez. Je le sens moyen, donc on va utiliser la croissance. On va se mettre niveau 45. Allez. On est petit joueur. Et on est parti. Du coup, Mr. Lucci. Oh. D'accord. Bon, bah on est parti. Ah, on est au village de Usopp. Bah donc Krieg et compagnie. Eh bah ok. En 10 minutes. Ya. Yeah. D'accord. Ok, je vais faire comme si j'avais pas vu. Allez, double impact. Allez, allez. Bon, on passe aux choses sérieuses. Allez, go. Et 2-1. Ah, on en a même eu deux, j'avais pas vu. Allez, on va choper les deux autres. Titalitalum. Ah, du coup, on fait équipe avec des hommes poissons, j'avais pas vu. Je veux dire, à part Arlong, j'avais pas vu que nos soldats classiques étaient des hommes poissons en fait. Voilà. Allez, le dernier. Il est où? Il est là. Ah, c'est Moria ça. J'y vois rien. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Non, j'y vois rien. J'y vois toujours rien. Hop là. Allez, bouffe, Moria. Allez. Oulie, 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 oulie. Ouais, on va lancer ça dans le vent, enfin dans le vent, droit devant, pardon. Bon. Bon, allez. Oh, allez. J'aime tellement ce coup. Bon, on a toujours le chrono. Ah, c'est chiant ça par contre. J'aime pas les missions chronométrées. Je déteste ça. Le commandant lapin est arrivé. Bon allez.
Allez. Allez. Allez. Bon, j'ai envie de dire tant pis si on n'a pas le rang S. Je vais aller voir le lapin. Ouais. J'ai pas envie de m'embêter ce coup-ci. Oula oula, unier. Aïe. Non, allez, bouffe. 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 Et vire de là. Allez. Non, allez, toi tu vires aussi. Alors on est en danger. Ah, oh, fuck. Attends, petit lapin, je reviens. Au pire, si tu veux, tu peux me suivre. Comme ça, j'aurais pas besoin de revenir très très loin. Italie, non, par là. Ah, mais. Ah, ouais, il a vachement besoin d'aide. Ah, mais barrez-vous! Bon. Balancez ça au milieu. Voilà, faites-vous plaise. Super, il avait vachement besoin d'aide. J'ai perdu du temps pour rien. Ah, barrez-vous! Je vais juste récupérer les items. Ah, je vous jure, les mobs. Enfin, les PNJ. Aïe, 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 allez. On défonce ce lapin. Il est où, d'ailleurs? Allez, allez. Allez, fais péter ta barre de vie. Voilà, merci. Oula, 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 oula. Oh, raté. Ouh, un peu plus et ça passait pas. Bah voilà, ça c'est fait. Oh, on a gagné. Oui, bon, forcément, le rang D est rang B, hein. Forcément, forcément. Cela dit, on a eu le lapin. Du coup, on va avoir la prime. Je sais pas ce que ça va être, du coup, comme prime. Bon, le chi qui passe niveau 2, ça c'est bien. Des pièces. Ah, une pièce dorée. Ok, galerie, oh, on s'en fout. Nouvel élément à la boutique, ok. Bon, lui il se barre de toute façon. Ok. Ah, et sinon la zone était niveau 15, d'accord. Ok. Bon, on verra si je la refais pour avoir le rang S en étant niveau 15. Enfin bref, pour le coup, on change de perso et on va faire une map supplémentaire. Et nous y voilà donc, cette fois-ci, on part avec Smoker, qui a été proposé par Z Sephiroth. Du coup, ben on va aller voir par là. Escorte ton chef Wapol jusqu'au point d'évacuation. Bah go. Armée de Wapol. Du coup, j'imagine qu'on va être à Drum. Ou pas. Le fond a pas l'air de ressembler à Drum en fait. Alors, préparation de la bataille, les techniques. Voilà. Alors, oui, sagesse du capitaine. C'est quoi, c'était stylé que je prenais? Au moins le temps de Kizuna. Passant de la forme véritable, charisme, ouais, voilà. On va dire qu'on va prendre ça. Et on y va. Alors, on est où du coup, là? C'est à la Basta, non? Alors, on a Usopp et Wapol avec nous, ok. Ouais, ça ressemble à Alabasta. Ouais, c'est Alabasta, d'accord. Qu'est-ce que Wapol fout à Alabasta? Allez, unier. Attendez, excusez-moi les mecs. Allez, ça y est, je suis prêt.
Wouhou! Ah, j'ai cru que c'était Burgess à côté, d'accord. J'ai eu un mec en slip, j'ai dit ok, c'est Burgess qui s'y fout là, lui, ok, voilà. Allez! Ulié. Voilà. Voilà, petit commandant des pirates au passage. Hop là, venez-vous là, venez. Oula. Aïe. Non, je vole pas bien. C'est pas la peine d'essayer. Voilà. Allez, du coup, bon bah là il a tué tout seul, ok, on va buter le deuxième ennemi. Il est où? Il est là. Wouhi! Voilà. Bon allez. Allez, Usopp! Wouhi! Ça fait tellement de distance ça, en Kizuna. Ah, y'a Tashigi et plein de gens qui viennent d'arriver. Alors, ouais, mais Tashigi allié ou pas? Tiens, envoie ton champ. Oh, ben genre, on ose... Ouais, non. Ouais, donc faut battre Tashigi, ok. Ok, j'y vais. Bon, attendez, d'abord on va gérer eux. Quoique. Ouais, au pire, ils se débrouilleront. Wouhi! Oh, il y a Sanji et Belle Amie qui viennent d'arriver. Attendez, là. Sanji, bonjour. Comment ça va? Allez, vire. On n'a pas besoin de toi ici. Ulié. Aïe. Putain, j'arrive pas à le toucher, je lui tourne autour. Bon. Merci. Allez, dégage de là, Sanji. Oh, attendez, là. Là-bas, là. C'est qui? Ah bah, c'est Bellamy. Salut, mec. Voilà, c'est bon pour partir. Du coup, on va aller voir Tashigi, qui a capturé notre zone en plus, j'avais même pas fait gaffe. Pour qui elle se prend, elle? Va pas aller, ça. Alors, attends. Oui, alors ta fierté, hein, là. On s'en fout royalement de ta fierté, là, tu vois. Bon, Tashigi, tu oses te rebeller contre ton patron? Oui. Bon, j'avoue, quand tu vois ton patron faire ça, tu peux te demander... Tu peux te dire, qu'est-ce que je fais, là? Je reconnais. Oh, je la touche même pas. Bon, allez. Aïe. Allez, mange. Balance ton champ. Voilà. Bon, si on récupérait notre chez nous là. Oui. Merci. Ça, c'est à nous. On a vaincu Tashigi, ça c'est bien. Est-ce qu'elle nous rejoint du coup? Elle pourrait. Oh, un trésor a été pris. Hop. Ne touche pas à ça.
ça je prends. Bon, même si j'en ai pas forcément besoin. Allez, t'es où, mec? Bonjour! La danse du gîte! Non mais... Ça c'est mon pognon! Oui! Bon du coup... Ah, il y a Monet qui vient d'arriver. Le mec qui se bat avec du poison là. Ah, Monet serait la... La boss du niveau. Oui! Ah, Wapol est déjà en bas? Ah merde! Oui! Allez, les 2000 kills. Bon, j'essaie de monter le Kizuna en même temps, donc donc c'est un peu chiant. Allez, toi tu meurs. Ouais, bon là je l'ai un petit peu gaspillé, j'avoue. Juste pour 3 mobs à la con. Je reconnais que... Oui. Oulié. Oula 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 oula. Allez là c'est bon. Allez je vais essayer d'aller capturer une zone là-bas. Allez, un petit Kizuna. Nous sommes en danger. Ouais alors tant qu'il est pas en danger de fuite, hein, c'est bon j'y vais pas, je me suis fait avoir une fois avec Arlong, c'est bon. Tu te gères tout seul, Usopp. Tant pis pour toi. Oui. On a le rang S. Allez, on se tourne et hop là. Ouh, je pense que celui-là, il va faire mal. Je pense qu'il va faire mal. Combien de kills? Ça l'a pas marqué. Bon bah, tant pis. Bon du coup, Monet. Bonjour. Comment ça va? Elle a presque capturé la moitié de la zone. Elle déconne pas, Monet. Bref. J'adore comment elle est tombée. Bon bah voilà. Je suis smoker et j'ai la classe. Bon bah ça s'est plutôt bien passé. Ah, smoker niveau 2. On débloque le chasseur blanc. Qu'est-ce que ça fait? J'ai pas eu le temps de lire. J'ai appuyé trop vite. Ah bah non, c'est là. Augmente les dégâts sur les ennemis touchés par la fumée. Bof. Ouais, éventuellement. Allez, fais péter la thune. Et du coup, ben nous, ça nous fait... Ah, il y a un mec qui est apparu à gauche. C'est qui? Minotaur, ça, non? Ouais. Wapol qui revient. Ah ah! Eh bien, Wapol, qui est niveau 51. Ok, d'accord. ok, bah Wapol, on verra ça la prochaine fois, dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Comme d'habitude, depuis qu'on a commencé le mode rêve, n'hésitez pas à me proposer vos persos, comme les 6 persos précédents hein, qui ont été proposés dans les commentaires. J'espère que vos choix vous ont plu. J'espère que vous continuerez à m'en donner, parce que moi j'aime bien jouer avec vos persos. Comme ça, ça me fait découvrir plein de persos avec qui je n'ai pas joué, comme par exemple Sabo la dernière fois, ou Baggy, ou Hancock.
Bah j'ai jamais joué, c'était des persos avec qui j'ai jamais joué. Donc pour le coup, c'est tant mieux et ça permet de voir du gameplay différent, des techniques et tout ça. Des tenues pour certains. Pour Ace notamment, si je me souviens bien. Enfin bref. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer plein de persos. Je note les premiers arrivés sont les premiers servis, je rappelle. Je note tout sur une feuille et puis après je fais dans l'ordre. Et puis voilà, tout simplement, tout le monde est content. Enfin bref. Nous on se retrouve très bientôt pour la suite de cette découverte du mode rêve. Enfin découverte, là c'est plus vraiment la découverte, mais c'est de la conquête du mode rêve. Mais d'ici là, portez-vous bien, et que la funk soit avec vous les amis. Ciao ciao.